Bonjour les amis, alors nous voilà sur les temps de Conlie, temps communal, qui vient d'ouvrir, hein, il est ouvert ce week-end. Ouais, au début on était un peu inquiet, moi je suis arrivé très très tôt pour essayer de peur qu'il y ait beaucoup de pêcheurs. Étant donné qu'il venait d'ouvrir, il y a pas mal de carpistes, je me suis dit, bon bah, les gars ils vont venir, en général ils viennent très tôt hein, pour pouvoir se réserver les bonnes places quoi, on va dire. Et en somme, les pêcheurs arrivent seulement maintenant. Hein. Bon, après, la pêche n'ouvre qu'à 6h. Et là, il est 6h moins 2, hein, donc on va pas tarder à pêcher. Donc, c'est un étang que je pratique de temps en temps, qui est surtout pourvu en carpe. Hein. Donc, franchement, on s'amuse bien en général. Ils sont assez mordeuses quand même. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que ce sera une pêche, pour moi, exclusivement de carpe. Quoi. Aux méthodes, des canons pieds. Et puis le frangin, donc pareil, méthode aussi, hein, avec une 12 pieds, là, une Smart que je lui avais offert pour son anniversaire. Voilà, donc tout est prêt. Hein, j'ai eu le temps de préparer, hein, je suis arrivé, il était 4h15, pour une ouverture à 6h, donc tout est prêt. Le frangin, toc. Quelques pêcheurs qui sont arrivés là. Ça sert à moi. Ouais. Donc on va lécher mon petit pelet 8 mm. Donc peut-être un peu long. Ouf. Donc un son de 8 si je me trompe pas. Donc un petit stop à pas. Un pelet pré-percé de 8 mm. Ça doit être du halibut là, un truc comme ça, du raid halibut. Et petite méthode de Ronan. Oh, j'aime bien. Je me suis habitué à cela et j'ai essayé d'autres mais. Et on va donc moulé à la farine pour l'instant, j'ai fait un peu de pelet, mais je crois que j'ai un peu trop mouillé, donc je vais peut-être les sécher à la farine. Voilà. Bon, j'ai lancé là à 25 mètres à peu près. J'ai fait un coup à 25 mètres, enfin je vais monter un coup à 25 mètres pour voir, parce que ici c'est un peu aléatoire, un coup le poisson il mord en bordure, quelquefois il mord un peu plus au large. Et là, ce matin, quand je suis arrivé, j'ai amorcé sur l'espèce de pointe là, d'arbre. Et là, oh, je suis un peu court. Donc, le pelet. Ouais, il est un peu mouillé quand même. Je fais ça dans un. J'ai récupéré ça l'autre fois dans une poubelle là où je travaille. Là. Ce sont des emballages de faisselle. Avec. Un petit bac percé, donc ça fait très bien l'affaire et ça coûte pas cher du tout. J'ai compté 2 minutes, mais au final je l'ai un peu oublié. Donc on va le sécher un peu. Ouais, c'est un petit peu dommage que je l'ai un peu trop mouillé. Enfin bon. Oh, lâché ou cassé, j'en sais rien. Lâché ou cassé. Lâché, je préfère. Bon, à première touche, hein, ça n'a pas mis de temps. Hein. Ça fait quoi? Ça fait même pas 10 minutes. 5 minutes que c'est dans l'eau. Et tout ça, 6-7 mètres du bord. Bon, après, on connaît un peu les temps, donc. Ah, le frangin vient de se faire atteler. Je pense pas que ce soit très gros, mais on sait pas. Voilà, comme ça. On voit bien la taille à peu près. Voilà. Première prise de la. Non, deuxième prise. De la saison. De la. Ouais, puis de la. Ok, voilà. Bon.
Et un petit release. Ah, une petite tournelle, ça c'est joli. Et je l'ai vu, je l'ai pris en plus. Tu l'as pris en plus? Oh, oh spoiler. Ouais, c'est des spectacles, ça fait du spectacle. Ouais, c'est bien. Voilà, un petit esturgeon. Bon, on va pas trop le manipuler. Je vais le mettre sur le côté pour qu'on voie un peu, voilà. On va prendre le triturer très longtemps. C'est bon. Bien grasse. Ah, non, c'est des petits poissons ça. Là, là, c'est pas du... Là, non, c'est bon. On va la remettre à l'eau carrément, comme ça. Hop. On va la moi aussi, on va ça. Quand elle a des espèces de saloperies sur le bout du nez, là. Des champignons, je sais pas quoi. Oh. Bon, quand on dit des esturgeons, c'est un peu bête. J'ai presque sûr que c'est le même que tout à l'heure. Bon, j'étais venu pour prendre des carpes. Et les gardons, même les gardons, on les prend un peu laid. Qui se les caille. Un petit Vendès qui est pas très chaud. Et puis lui comme moi on n'a pas beaucoup dormi. Donc voilà, une petite prise là, mais juste derrière une autre, coup sur coup. Ok, ok, ok. Attends. Attends, je peux pas te répondre là. Ah, lui nage. Ah, je sais pas, ouais. Fait chier. Bon, et alors comment faire quand encore à départ, il commence à m'emmerder un peu. Hein. Ça fait, là, ça fait au moins 6 de suite non-stop, là, à l'espace de même pas... S'il ne s'espace même pas 5 minutes entre deux départs, je sais pas ce qu'il a. Moi, chez lui, j'appellerai ma femme, mais enfin bon, après, c'est lui qui voit. Bah, c'est justement, il est au téléphone avec elle, en plus. Donc c'est dommage, la caméra n'était pas en route, là, je viens de glisser en voulant récupérer sa canne qui partait à moitié à l'eau. Et je me suis légèrement à moitié empalé sur sa caisse. Enfin bon, bref.
Donc, deuxième poisson coup sur coup là. Bon, il y a le téléphone qui sonne. Qui c'est? Isa. Je lui dis un rappel. Oh, elle est pas mal. Hein. Bon ben la doublée, hein. Le frangin qui était en combat avec une tiarpe et puis bah son autre tiane qui est parti en même temps. Hein. Je sais même pas pourquoi je l'aide. J'aurais dû le laisser se démerder avec sa tiane. Encore une, ça doit être la 15e, je crois, un truc comme ça, ou 18e, on sait plus trop, on compte plus. Bah allez, encore une pour le frangin, j'en ai vraiment ras la casquette, je vais remballer. Je vais y aller avant qu'il jette à l'eau. Et là, encore une petite pour le frangin. Bon, bah le frangin, encore une fois. Y'en a marre. Bon, enfin, j'en prends une quand même. Voilà. Et dans la boîte. Oh bah c'est gueule d'ange. Je crois que j'ai déjà pris celle-là l'année dernière, il y a 2 ans. Bon voilà, on a fini de manger, hein. Il a dit c'est replacé, et puis c'est reparti. Alors il est au panier. Bon on les compte plus, mais ça doit être la 20, 25, je sais plus. Bon un petit peu à mon tour, hein. Là je viens de sortir une petite, là, 3-4 kilos, là. Une belle couleur. Ça vient ou... Ça vient ou quoi? Tu te rapproches pas trop d'elle. Rentre tes biques, j'ai plus de batterie. Jeune Noah, Noé, je me rappelle plus. Noé. Il nous a quand même sorti une tiarpe. Voilà, voilà. Bien Noé. Super. C'est de la chance Noé. Au feeder. T'as vu le feeder, c'est bien le feeder. Voilà, j'ai peut-être... Là, je vous présente le couple de jeunes mariés.
Il est gentil. Eh hey, Brigitte, oh. Oh putain. J'ai pas le temps de mettre mon appareil photo. Je voulais mettre mon appareil photo pour prendre une touche, tu sais. Ok, j'ai pas le temps. Mmh. Bon, elle est pas énorme. Oui. Mais bon, c'est marrant. Bon, pour la énième fois, mon frère reprend une carpe. Elle est peut-être coincée dans un morceau de bois, on sait pas trop pour l'instant. Ah, c'est bon, elle est sortie de son... Voilà. Bon, il est je sais pas quelle heure. Je trouve encore mon frangin. Il a encore accroché un poisson. Pour la 32e fois, mon frère il a repiqué une carpe. Bon, bah je filme pas jusqu'au bout parce que. Bah parce que. Ça devient lassant. Mon frangin a encore pris une carpe. Enfin, il a piqué en tout cas. Elle n'est pas sortie, mais.